Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Ispush dans pas de catalogue. Enfin, un catalogue, franchement, je vais le découvrir en même temps que vous. Je sais très bien ce que c'est. C'est mon tout premier catalogue de cette marque. Je vous garantis, on a fait vraiment le tour actuellement. Oui, je vais vous montrer. Alors, bien sûr, je retrouve jamais. C'est mon fucking cutter. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être bien prendre un nouveau cutter à l'occasion. Ce sera très très bien. Mais du coup, je vais me prendre. Ça, c'est vraiment bien, c'est une étiquette de d'armoire EP. Donc du coup, on va pouvoir regarder, donc je suis bien content. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas où est-ce que ça s'ouvre. Par contre, ça, ça s'ouvre là. Ok. Ok. Voilà. Par contre, est-ce que c'est réellement là? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que c'est là? Je n'en sais rien. On va faire comme ça, ce sera mieux. Maintenant. C'est ça le problème. Vous savez, c'est les enveloppes carton qui sont vraiment chiants à ouvrir. Ça. Oh là 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 là, et les gens. Bien épais, ça c'est bien gourmand. Et il est encore ouvert dans un truc. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est vraiment le. Il est bien épais, donc à mon avis, il y a des vraiment des trucs intéressants. Ah ouais. Un saunier Duval. Risqué. Alors là, franchement, je suis sidéré parce que franchement, je vais pouvoir enfin, on va dire, découvrir un catalogue sur l'éclairage public de. Voilà, je spoilise là. Oh là, mon dieu. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Alors du coup, on va regarder un petit peu, petit à petit. Par contre, j'aime bien leur système de machin. Alors, par contre, c'est alsacien, c'est Strasbourg. Ok. Donc, enfin, un catalogue Sony Duval. Donc là, du coup, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Je le découvre en même temps. Hein, donc, voilà. Donc, ils expliquent un petit peu. Ah oui, ben, les candélabres traditionnels que je connais, moi, de base. Avec le beau logo Sony Duval. Après, il y a vraiment des trucs. Ah, les photos sont de là-dessus, en fait. Ah, d'accord. Je me demandais où est-ce qu'elles venaient, ces photos-là. En fait, elles viennent de cet endroit-là. Bon alors un point assez simple, je pense qu'on va découvrir. Ah peut-être pas, c'est, je sais pas, attends, j'ai regardé, il date des années combien 1900... Ah il y en a plusieurs pour compléter. Donc là, c'est bloqué, vous présentons un candélabre et console pour compléter l'éclairage des voies publiques. Donc là, d'accord, ok. Donc là, ça c'est plus pour les candélabres. Je pense qu'il y a aussi l'éclairage aussi dedans. Donc là, on pourrait... Ah d'accord, ouais, c'est un peu le même style que GHM, hein, ça se voit, hein, c'est... Par contre, les pages sont vraiment épaisses. Ah, il y a quand même des modèles que je vois un petit peu près, c'est quoi, mais... après, il y a des... Attends, c'est impressionnant comment les pages sont épaisses. Ah, on dirait vraiment du projet luxe, les lanternes, style... Ouais, c'est vraiment, vraiment le support, c'est vraiment un style, un catalogue style... Quand on a la SDF, en fait, là, c'est des candélabres SDF. Par contre, je voudrais bien savoir s'il y a le... Le candélabre aussi de base. Bon, même si c'est un candélabre. Ah oui, il y a quand même des belles photos quand même. Ouais. Augustin, place Maubier. Ouais, ouais, il y avait quand même des trucs intéressants comme à l'époque.
Bien sûr que les six. Ah, bah oui. Le SDF 60, c'est ce que j'avais à Épernay. Espèce en forme de, comme dirait le Meg, l'ananas. Il y a plusieurs versions d'ananas. Ah, ok, d'accord. 61, ok. Ah, il fut connu qu'en tôle d'acier. Ah, d'accord, ok. C'était vraiment impressionnant quand même. La gare de l'Est. Ah, il y avait du Sonnival à la gare de l'Est. Ah. J'ai quand même temps. De toute façon, la plupart des trucs, ça fait une paire d'années que ça n'existe plus. Enfin, de toute façon, ça c'est sûr que là, oui. Enfin, ça fait une paire d'années. Par contre, c'est vraiment bien complété. Ah! D'accord. Donc, du coup, c'est du Saunier Duval. Ok. Ok, d'accord. Je ne savais pas. Ah, c'est impressionnant comment le capachon épaisse. Ah, ouais, c'est du traditionnel. C'est vraiment du traditionnel de chez traditionnel. Les consoles avec les lanternes dessus. Ah, c'est vraiment. Il n'y a pas grand-chose comme style de luminaire, mais. Console. Une horloge. Ah, c'est vraiment que sur le. Sur les mâts. Mais moi, j'aime bien. Avec les usines. Ça, j'aime bien les usines. L'usine de Montreuil. Mais quand on fera. Comment? Vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire comme on avait fait le dernier coup pour. Comment ça s'appelle? Le Laura Pougin. On va rechercher directement les endroits, les adresses. Ce sera très intéressant. Il y a plusieurs usines. Il y a Paris 5 rue Condillac, hein, Paris 6e, non Paris 6 rue des Nanettes, Montreuil 12 et 14 rue Voltaire, Montreuil 14, 46 rue Armand Carrel, Vincennes 35 à 39 rue de France, Nice 16 rue de Villeneuve. C'est pour ça qu'il y a du Saunier Duval dans le Nice, parce qu'en fait tout est. Il y avait une usine à Nice. Ah. Bon, en fait, c'est pas sur l'éclairage public. Oh, par contre, il est beau le logo. Oh, je vous montre ça, le logo, il est magnifique. Ça, franchement, c'est magnifique. J'aime bien. En plus, c'était un design est fait à la main, ça, le pire. Voilà, donc du coup, il y aura plus que. Alors, du coup, ça doit dater. Ouais, ça va être de 35 à peu près. Les catalogues spéciaux. Éclairage des voies publiques, signalisation urbaine et routière. Mais il me plaît particulièrement parce que c'est mon tout premier et unique catalogue Saunier Duval. Je suis bien content en fait d'avoir ce catalogue-là. On a hâte de voir le résultat. Alors bien sûr, c'est un catalogue qui est broché. Donc je ferai vraiment gaffe quand je vais le scanner. Oui, je vais le scanner pour vous faire plaisir. Mais franchement, il est magnifique avec le beau logo Saunier Duval Frisquet hexagonal là. Octogonal plutôt parce que c'est pas un hexagone, c'est un octogone. C'est magnifique avec les vues que je connais de certaines pages. C'est impressionnant. C'est magnifique. Donc j'ai hâte de vous montrer ça par contre. Mais c'est impressionnant. C'est magnifique. Franchement, je suis content de vous montrer ça parce que ça y est, c'est enfin mon tout premier catalogue de chez Saunier Duval. Alors vous imaginez quand même qu'on a. Bah je vais remonter un petit peu quand même, ça serait bien. Voilà. On a quand même BBT. On a Thierry Hendrick. On a AER. On a Projet Luxe. Là on a Saunier Duval. Bon, c'est le premier d'une épopée. J'espère qu'un jour je trouverai un catalogue sur Saunier Duval, les Carènes, le Horion, les Beckline, les machins, les Vega. Ce serait très intéressant. Mais si on découvre du Saunier Duval, on trouvera vraiment ce qu'il faut, vraiment au temps présent. Mais voilà, je suis content. Enfin, catalogue Saunier Duval. Je suis fier de vous le montrer. On va pouvoir se laisser là-dessus. C'est une petite vidéo. Donc, franchement, j'ai hâte de le scanner pour vous le faire partager. Ça fait plaisir. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. Saunier Duval Frisquet. Passons de Méfix. Hein. SDF. Hein, fais pas faux!